Je suis fatigué. Je vais bien me sortir mon chéquier, s'il vous plaît. Il faut le laisser raquer un petit peu, là, non? Il y en a encore au moins pour 1200 euros. Chez nous, on organise des fiançailles avec ça. On va avoir la vista un peu. La vista? Alors, ils sont tous là à se partager le pourboire. Surtout le gendre, c'est les vrais pains, celui-là. Il est toujours fragile quand le serveur il arrive, il a envie d'aller aux toilettes, ou il trifouille son portable. Je l'ai repéré, lui. Alors on part pas tout de suite, laissez-moi faire. Ah, ça vibre. Ça va être le bureau. Hein. C'est ce qui me rappelle. J'avais goûté ça il y a quelques années chez les amis à... C'est ça que vous cherchez? Mais c'est mon téléphone, ça. Bah ouais, et il vibre pas. Alors rigole moins, là. J'aurais été fort pour repérer les pinces. Ah oui, donc il y a quelque chose qui a vibré, en tout cas. Moi, je sais pas ce que... C'est ton sang de pince qui vibre quand tu vois une facture. J'ai senti vibrer un truc et je sais pas ce que c'est. Oh, le crevard. Mais lâche l'affaire, on t'a cramé. Lâche l'affaire, je l'avais ton portable. Il ne vibre pas. C'est crevard de fou. J'étais grillé, cramé. Allez, rack, c'est pour toi. Sale pince, moi. J'ai faim. Je vais manger un truc. Je peux, Antoine? Oui. Bien sûr, monsieur. Et t'as qu'un, tu veux. Messieurs, si quelqu'un veut quelque chose, c'est pour lui. Non. C'est pour moi, s'il te plaît. Poche cousue. Tiens. N'oublie pas le pourboire. Tu veux qu'on partage? Ah, bravo, d'accord. Non, je rigole.